Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Ankir que me retrouve à TLA pour parler de la cuisine du pays. La cuisine traditionnelle que nous fait chaque fois ici. Et aujourd'hui, on va faire un porc ou sinon ça, poulet aux pommes de terre. Il va falloir nous de l'ail, du thym, des oignons, de l'huile, du poivre en grain de préférence. Si tu veux mettre un peu de girofle, je vais te mettre du girofle. Il va falloir aussi un peu de coriandre si tu aimes de la coriandre. Sans oublier les tomates. Alors, on va commencer par mettre une marmite à chauffer assez chaud quand même avec un peu d'huile en dedans et nous mettre la viande, y mettre la viande en dedans et m'y faire frit à lui bien comme qu'il faut. C'est un curry simple à faire, hein. Nous peut faire lui avec du poulet. Mais là, on a choisi de faire avec de la viande de porc. Alors, faut faire attention avec les pommes de terre, hein, quand on s'y coupe, faut couper toutes quasiment presque pareil, pas trop gros, pas trop petit non plus, de façon, il écrase pas. Et certaines pommes de terre ont tendance à cuire plus vite que la viande, ça, il faut faire très attention. Il faut choisir un morceau, la viande assez tendre, surtout. Bah sinon un morceau dans l'épaule est quand même pas mal parce que dans la cuisse il a tendance à devenir un peu sec et il y a un peu de filage dans la viande comme il dit donc il n'est pas trop gaillard. Mais après si tu as de la pointe la viande dans l'épaule tu peux faire avec de la cuisse de porc, il n'est pas mauvais non plus. Alors mais commence par faire frites ça comme à la diazote. Comme on finit faire frites le viande, m'y ajoute du thym à l'intérieur, du thym frais s'il est possible, sinon ça je peux utiliser. Du thym sec, les pareil même, le thym est quand même pas mal. Donc le thym frais de préférence. Il fait revenir à lui dans de l'huile. Ça l'a fait boire un peu d'huile quand même parce que les pommes de terre et les oignons, ça a tendance à absorber un peu d'huile et puis faire un curry sans huile n'est pas évident du tout. Alors il ne dit pas de mettre un tacon d'huile dedans, bon, ben, il faut mettre la quantité qu'il faut. Et puis l'huile, il ne faut pas manger tout le temps comme qu'il faut pouvoir manger tout le temps. Parce que les gens ils disent bah, mettre trop l'huile dedans, mais nous ne mangeons pas l'huile tout le temps. Moi personnellement, je ne mange pas l'huile trop tout le temps. Alors, on ajoute les oignons à l'intérieur et il va bien laisser revenir les oignons. De la vie, la viande, on a un peu fait frite à l'huile rose, même il faut les roses roses. Et, comme ça fait un curry avec pommes de terre, il n'est pas obligé de faire frites à l'huile trop rose, c'est juste faire revenir que la viande y rende un peu son jus qui colore légèrement et c'est tout, hein, parce que après nous ça met du safran dedans, du safran pays, c'est-à-dire du curcuma, bah, la couleur rose frite que vous en avez, il disparaît un peu. Voilà, nous, voilà fini, mettre les oignons à l'intérieur. On va ajouter du sel, de l'ail, du poivre en grain que nous allons écraser ensemble. Sinon, on pourrait mettre aussi pour cette IM des clous de girofle, hein, pas beaucoup. Hein. Le girofle est assez puissant quand même comme goût. Alors, donc, un seul ou deux clous de girofle pour, par exemple, là, on a à peu près 1 kg la viande, 1 kg de pommes de terre. Deux coups de girofle est largement suffisant. On va ajouter l'ail dedans, on va ajouter les pommes de terre. Et ce que il va faire, il va mélanger, bien mélanger, faire revenir tout ça à feu vif, hein, de façon à ce que les pommes de terre y colorent un petit peu, hein, donc sans plus. Et c'est un plat, il est déjà assez complet. On en a des protéines en dedans, on en a de la fécule là-dedans. On a quand même pas mal de choses. On a des oignons, on a des tomates. Les tomates, c'est les considérer comme un légume, mais d'après ce qu'il dit, ben là, c'est un fruit. Donc, c'est un légume. Et à Maurice, ben, on appelle ça pomme d'amour. Alors, donc, nous allons mettre des pommes d'amour après pour nous allons Maurice. Qui suivent nous sur le net et sur la télé. Hein. Bien sûr, cette recette est diffusée aussi sur les box de La Réunion, dans la zone océan Indien. Nous fait revenir, il faut revenir à lui bien comme qu'il faut, la tourner et prendre le temps, surtout prendre le temps. On aurait pu mettre un peu de masse salée en dedans, hein, la préparation de masse salée. Elle est à peu près pareil, sauf que nous ajoutons des ingrédients au fur et à mesure. Bon, les tomates, il faut prendre des tomates bien mûres. Peut-être 2 à 3 tomates, elle est largement suffisante, pas trop gros. C'est un énavadier, moi, ils ne mettent pas de tomates en dedans là.
moi, m'y fait à ma façon, à la façon où ça l'a appris à moi à faire. Donc, moi, mes bonnes ancêtres, on a moins fait comme ça. Et moi, m'y fait m'y transmettre à Zot ma façon de faire. Et puis, moi, il n'est pas là pour apprendre à Zot à cuisiner, mais simplement partager ensemble Zot une manière de faire. Chacun cuisine différemment. Et comme il dit souvent, c'est ce qui fait le charme. Hein. Pas tout le monde n'a les mêmes goûts. Hein. Nina, il ne mange pas la viande cochon. Nina, il ne mange pas la viande poulet. Nina, il ne mange pas la viande bœuf. Donc, chacun a notre propre goût. C'est ce qui fait la différence. Il y a un plat gaillard même. Là, comme il est comme ça, là, il va ajouter un peu d'eau à l'intérieur. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est laisser les tomates... il couvre déjà là un petit peu. Et il laisse les tomates rendre un petit peu son jus, comme nous fait traditionnellement dans la cuisine réunionnaise. Et là, juste comme ça même, il va ajouter un peu d'eau dedans. Disons, il faut à peu près 30 centilitres à peu près de l'eau là, pour que le viande y cuit bien. Et là, il met le feu juste après. Il met le feu tout doucement dessous. Il laisse mijoter pendant environ un quart d'heure, 20 minutes comme ça là. L'élargement suffisant. Et puis, Zot, il réajuste, hein, parce que des fois, la viande, pas toute viande n'est pareille. Moi, on a eu la chance d'avoir de la viande les pas dures. Donc, pas toute viande n'est là. Si Zot a de la viande un petit peu dure, Zot, il ajoute un petit peu plus de l'eau à l'intérieur. Voilà, comme Zot, il voit, il bouille, il prend forme le curry. Et mon ami du persil, hein, le persil, c'est pour la décoration. Zot, il veut mettre un petit peu de coriandre à l'intérieur. Il n'est pas mauvais non plus, hein, la coriandre, il donne un goût assez différent dans Zot curry. Moi, j'aime la coriandre, mais des gens n'aiment pas trop. Donc la coriandre, il ne faut pas trop mettre non plus, parce que ça, si vous mettez trop, il a un goût un peu bizarre dans la bouche. Donc il faut mettre juste, et comme Bana il dit, avec parcimonie. Voilà, nous ajoutons le PSI, la recette l'a finie. Je remercie Zot toutes d'avoir suivi ça. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette 100% La Réunion. On y retrouve.